Oui, je sais, c'est bizarre le plan, mais c'est juste que c'est le mois post-montage. J'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties parce que sinon ça aurait été trop long. Ou peut-être aurais-je dû dire c'eût été trop long et non pas c'eût été trop long parce que là c'est plus français. La première partie s'intéressait à Aurélien Boutelja, raciste contre les blancs. Moi, j'ai pas peur de dénoncer le racisme. Ouais, attends. T'emballe pas, parce que moi, je dénonce le racisme des blancs sur les autres. Parce que si je dénonce le racisme des autres sur les blancs, après, ça va être qui le raciste? Je suis pas fou. Cette deuxième partie s'intéresse plutôt à Aurélien Boutelja, homophobe, ou en tout cas aux procès qui lui sont faits en homophobie. C'est pas le lycée le problème, c'est votre fils. Ce directeur m'a demandé mais quel type de gars c'était. Je suis trop Kaya Diallo. J'insiste sur le fait que le ton est bienveillant, que je ne suis pas là pour casser du sucre sur le dos à qui que ce soit. Là, je parle plutôt à des alliés qu'à des adversaires. Je pense qu'on peut avoir des désaccords avec Noé Jacquemet ou avec Bad Munch, mais dans tous les cas, je suis pas là pour taper dessus comme je taperais sur du droit tardos. Faut le savoir, hein. Allez, on a assez bavardé comme ça. Générique! Pour te faire plaisir, Les gens qui ne sont rien. Bah, si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. T'aimes ça la merde? Bonjour, bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à l'homophobie supposée d'Auria Boutelja. Cette infâme homophobe, cette infâme antisémite raciste. Oh, ciao la monétisation, mais après je suis pas monétisé donc je m'en fous. Bon alors là, c'est dit comme ça, c'est parti. Je veux vraiment préciser un truc pour toute la zawasphère là. Il faut vraiment comprendre qu'on peut critiquer un contenu en soi sans avoir consulté tous les autres contenus d'une personne. Quand Auria Boutelja décide de faire une vidéo sur à gauche, elle fait un entretien et tout, c'est un contenu en soi que Auria Boutelja produit. Je rappelle que beaucoup beaucoup plus de gens regardent du contenu sur internet que lisent des livres. Et donc les trucs les plus vus de Auria Boutelja par le public au sens large, très probablement ce sont les vidéos YouTube. On peut pas dire comme ça, il n'y a pas de contexte dans une œuvre. Un propos qui justement est de fait inscrit dans une œuvre plus globale, peut être parfaitement arraché à cette œuvre-là, et à ce moment-là on lui fait dire ce qu'on veut. Parce que à ce moment-là, si on accepte cela, moi je peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Je suis sûr qu'il y a un moyen de faire en sorte que Lévi-Strauss apparaisse comme une espèce de nazi, ou encore, je ne sais pas moi, que Wittgenstein se mette à défendre la métaphysique. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'il faut aller sur la plateforme frais et local. Vous allez sur le site, donc vous mettez ce dont vous avez besoin, vous donnez votre localisation, Nice, Albi, Tarbes, Hendaye, Bayonne, Lourdes, etc. Elle va vous mettre en contact à des prix qui défient toute concurrence, entre 15 et 50 euros. On peut comme ça bricoler en arrachant des morceaux à une œuvre, de tout leur contexte, des propos qui sont complètement en contresens de l'œuvre. Et oui, ça c'est vrai, l'entretien qu'Auria Boutelja accorde à gauche est peut-être un morceau complet, une espèce d'entretien complet, d'œuvre complète à l'intérieur d'une œuvre plus large. Mais prendre quelques phrases qui sont à l'intérieur de l'entretien, en les sortant du contexte même de la pensée de l'autrice, ça c'est profondément malhonnête là encore. Je crois vraiment, les gars, que vous péchez un petit peu par ignorance de la pensée décoloniale. Et moi je suis pas un spécialiste de la pensée décoloniale, j'ai lu quelques bouquins de base sur ces questions-là, mais au moins je les ai lus. Il n'y a pas d'homosexuel en Iran, entre guillemets. C'est Ahmadinejad qui parle. Cette réplique m'a percé le cerveau. Je l'encadre et je l'admire. Il n'y a pas d'homosexuel en Iran. Je suis pétrifié. Il y a des gens qui restent fascinés longtemps devant une œuvre d'art. Là, ça m'a fait pareil. Ahmadinejad, mon héros. Le monde accuse le choc. Les médias occidentaux, les observateurs, américains, européens, la gauche, la droite, les hommes, les femmes, les homos. La civilisation est indignée. Il n'y a pas d'homosexuels en Iran. Elles font mal au tympan, ces paroles. Mais elles sont foudroyantes et d'une mauvaise foi exquise. Pour les apprécier, il faut être un peu lanceur de chaussures. Une émotion de minable, je dois avouer. Admirons la scène, rien n'est plus sublime. Ça se passe en 2008 aux États-Unis à la Columbia University de New York, célèbre université de gauche. En gros, elle cite la phrase de Ahmadinejad, président de l'Iran à l'époque et tout. En gros, moi je comprends qu'elle est en train de s'extasier devant cette phrase parce que pour elle, c'est une provocation de l'Iran envers le monde occidental d'affirmer un truc aussi absurde. Elle dit « mauvaise foi exquise ». Après, sa réaction, c'est quand même une réaction un peu d'adorer le truc. Enfin, je l'admire, j'encadre la citation, Ahmadinejad, mon héros. Alors, le langage qu'elle utilise est quand même très positif. Je suis désolé, Balmush, là, mais là, on a vraiment affaire à la gauche morale. Et honnêtement, c'est quand même difficile. C'est vraiment difficile. J'ai volontairement gardé ce passage-là parce que pour moi, cet extrait-là, donc c'est un extrait de son premier bouquin « Les Blancs, les Juifs et nous », c'est un des extraits les plus borderline. Parce que c'est vrai qu'il y a cette espèce d'ambiguïté autour des propos d'Ahmadinejad, en plus sachant ce que vivent les homosexuels en Iran. C'est-à-dire qu'il y a une véritable persécution, c'est absolument dramatique ce qui se passe là-bas. Et cette phrase peut paraître vraiment inconséquente. Et puis je voudrais ajouter un truc qui n'est pas des moindres. C'est un peu la preuve que cette histoire de texte sans contexte, c'est quand même une démarche très 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 sujette à caution
Et je n'ai pas dit complètement idiote. Hein. En tout cas, c'est une démarche très idéaliste qui considère que comme ça, les idées sont ce qu'elles sont pour ce qu'elles sont en soi et pour soi, et qu'elles ne sont jamais exprimées à l'intérieur d'une vision du monde, à l'intérieur d'un mode d'expression, à l'intérieur d'une culture, d'une croyance, d'une œuvre. Je me permets de reprendre le bouquin Les Blancs, les Juifs et nous, et de faire la lecture de la page qui suit justement ce que tu as lu, Bad Mulch. Il n'y a pas d'homosexuel en Iran. Cette phrase prononcée à Bamako ou à Pékin, au mieux, serait sans intérêt. Au pire, malheureuse. Et ce qui est marrant, là, juste au début de cette phrase, c'est que ce que fait Bouteja, c'est qu'elle dit que l'intérêt de cette provocation d'Ahmadinejad, c'est que cette phrase est prononcée dans un contexte singulier. Le contexte même de l'énonciation des idées, et là c'est presque la preuve dans une espèce de mise en abîme, donne une forme à ces idées, donne une puissance à ces idées. Autrement dit, au pays des homophobes, railler les homosexuels, ça ne produit aucun effet. Il y a donc un effet qui est recherché. Mais elle est prononcée au cœur de l'Empire, au royaume des innocents. C'est un indigène arrogant qui la prononce, à un moment charnière de l'histoire de l'Occident, son déclin. L'esthétique de la scène, c'est tout ça à la fois, sa profonde dualité d'abord. Le manichéisme du colon produit un manichéisme du colonisé, disait Fanon. Vous voyez, quand je vous dis qu'Ouria Boutelja a lu Fanon, je vous raconte pas d'histoire. Et quand je vous dis que pour comprendre le texte, c'est bien d'avoir non seulement l'ensemble du contexte, mais aussi une connaissance minimale dans la littérature dans laquelle s'ancre cette pensée-là, c'est peut-être un petit peu mieux. Ensuite, cela se passe dans une université réputée de gauche, sans doute à la pointe de la pensée progressiste. Devant des néoconservateurs, cela aurait manqué de saveur, n'est-ce pas? Que dit Ahmadinejad? Il ne dit rien. Il ment, c'est tout. Il ment en toute honnêteté, et c'est énorme. En mentant et en assumant son mensonge devant une assemblée qui sait qu'il ment, il est invincible. À l'affirmation « il n'y a pas de torture à Abu Ghraib », répond l'écho « il n'y a pas d'homosexuel en Iran ». La rhétorique persane à l'usage des progressistes blancs fait mouche. Les deux mensonges s'annulent, la vérité éclate. Oui, parce que c'est une chose de dire « Ouria a accordé un entretien à la chaîne à gauche » et là, c'est déjà une œuvre totale à l'intérieur d'une œuvre complète. Mais c'est autre chose de dire « Je lis quelques phrases dans une page, dans un chapitre du bouquin et je vais pas chercher juste à la page suivante ce qui permet de comprendre l'expression de ses premières idées. » Là, c'est juste une question d'honnêteté intellectuelle. Quand tu commences à te plonger dans n'importe quel texte philosophique, tu te rends compte que les idées se mettent en place les unes avec les autres et que tu peux pas forcément arracher une idée comme ça hors contexte. La compréhension d'une idée philosophique, elle nécessite l'articulation avec d'autres idées et d'autres arguments. Et on ne peut rien comprendre d'une idée philosophique si on l'arrache à son contexte. Si on prend simplement cette phrase-là et que tu dis « Oui, ben, Ouria, elle admire Ahmadinejad parce qu'il se moque des homosexuels. » Mais que tu vas pas juste lire la page d'après. Il faut juste tourner la page. Hein. C'est faire ce geste-là. Voilà. Si tu vas pas lire la page d'après, tu n'as aucun moyen de savoir qu'il y a là une référence implicite, puis après explicite, aux tortures d'Abu Ghraib. Les Américains déclaraient tranquillement « Oh non, non, il n'y a pas de torture à Abu Ghraib !» Et c'est un peu, on aurait pu prendre d'autres exemples, quand les Américains déclaraient « Oh oui, oui, il y a des armes de destruction massive en Irak !» Des choses comme ça. Je crois que quand les Américains disaient ça, on les a pas traités d'infâmes racistes néo-nazis qui voulaient exterminer une partie de la population. Et pourtant, est-ce que c'est pas un peu ce qu'ils ont fait? Mais je me permets de dire une autre chose, parce que là, ce que dit Balmush, c'est simplement « Oui, elle attribue une valeur positive à ce que dit Ahmadinejad, ce que dit Ahmadinejad, c'est quand même pas terrible, hein !» Ben non, c'est vrai que c'est pas terrible. Et je crois qu'Ouria Boutelja sait que ce que dit Ahmadinejad n'est pas terrible. Seulement, ce que fait Boutelja ici aussi, c'est qu'elle met en perspective, je crois, je me permets d'interpréter, deux paradigmes civilisationnels. Quelque part, l'écrasant impérialisme américain, et d'autre part, la culture réactionnaire d'un État, l'Iran, et d'un chef d'État, qui est en train comme ça, de donner des petites pichenettes comme ça aux Américains. Alors disant, voilà, vous ici, vous êtes des progressistes, mais nous, on vous emmerde, en fait. Mais je crois que ce que voit Boutelja là-dedans, c'est l'affirmation d'une identité culturelle au sein d'une autre qui lui refuse son existence. C'est l'affirmation d'un mode de représentation au sein d'un monde qui refuse tout autre mode de représentation que les siens. À ce sujet-là, je me demandais si vous avez lu ce bouquin, Le discours entier. Il est très gros, c'est un livre écrit par Édouard Glissant, paru en 1981. Édouard Glissant, c'est un poète, philosophe, martiniquais. Lisons, si vous le voulez bien, un petit extrait du discours entier, page 172-173, extrait du chapitre intitulé Événement. Qu'est-ce qu'un événement pour nous? Un fait qui s'est produit ailleurs, sans nous, et qui retentit pourtant, pour autant, ici et en nous. Par quoi ce qui se fait dans le monde, au même degré que ce qui ne se fait pas ici, nous coupe du monde? Définition de ce que c'est qu'un événement. Un événement, c'est, on pourrait dire, quelque chose qui se produit, sauf que pas pour l'entiller, pas pour le coloniser. L'événement, c'est ce qui se produit ici,
mais qui n'est pas fait à l'initiative d'ici. C'est toujours quelque chose qui est quelque part dicté par une puissance extérieure. La puissance capitaliste, certes, et cela vaut pour nous tous, mais la puissance capitaliste est coloniale, par l'État capitaliste et raciste, si je puis me permettre de reprendre les catégories employées par Auréa Boutelja dans Beauf et Barbare. Qu'il y ait dans nos pays un tel engouement de culture n'est pas le fait du hasard. Chacun s'y met depuis peu. On envoie de la culture. On peut discuter de la culture envoyée. On suggère qu'elle n'est peut-être pas adaptée. On décide qu'il y faudrait une plus grande qualité. On accommode. On critique. Ah, si un tel était plus capable, et celui-ci plus honnête, et celui-là plus amène. Mais la culture ne se donne pas, ne s'envoie pas, ne se met pas en plan. Sinon, pour une collectivité, le seul plan qui vaille. Celui, quand elle n'est pas libre, de sa libération et de sa capacité de création. Pour un peuple qui ne s'exprime pas, pour un peuple mentalement asservi, il n'y a pas d'événement. Il n'y a que de la non-histoire, l'absence à toute décision et à toute maturation qui le concerne. Je veux pas faire de raccourci avec Ouria, mais j'ai quand même l'impression. L'impressionniste. C'est juste une petite idée comme ça, petite suggestion, hypothèse. Peut-être que justement, il y a une mise en perspective de deux mondes culturels radicalement différents, de l'un qui s'affirme sans limite par tous les moyens culturels et militaires si besoin, et l'autre qui lutte pour sa survie. Et vous remarquerez que je suis pas là dans le jugement de valeur. Je suis pas en train de vous dire que c'est super que les homosexuels soient persécutés par Ahmadinejad. Personnellement, si Ahmadinejad pouvait cesser de persécuter qui que ce soit et éventuellement disparaître de la surface de la Terre, je pense que nous serions mieux aujourd'hui. Et beaucoup de gens seraient mieux aujourd'hui. C'est pas la question. Mais au-delà des jugements de valeur, la culture iranienne est une culture qui résiste à un impérialisme surpuissant, démesuré. Et lorsqu'on est colonisé, comme c'est le cas de Moria Boutelja, qui... D'accord, n'est pas directement colonisée, mais on pourrait dire néocolonisée, c'est-à-dire qu'elle est prise dans des rapports de domination néocoloniaux. Qu'est-ce que c'est pour nous la culture ? Quel sens ça a pour nous la culture ? Quel sens ça a pour le colonisé, la culture ? La seule qui vaille n'est-elle pas la lutte pour sa propre libération et l'affirmation de ce qui peut être une culture authentique ? N'est-ce pas là un peu le propos ? Aussi bien, proposer à cette collectivité des pièces de théâtre, ou des cantiques, ou des symphonies, ou des marionnettes, ou des partis politiques ? Ou proposer à l'inverse que ces pièces ou ces parties ou ces cantiques ne sont pas faits pour elles. Sous-entendu que si vous aviez mieux choisi, alors là ça irait. C'est tout un. Non seulement l'action culturelle doit être ici menée par des Antillais, mais encore doit-elle être dirigée contre un système. Sinon, l'aliénation embellit. La culture, c'est d'abord le sens acquis dans et par ce contre. Aucune élite ne peut y suffire, sinon sur le mode démagogique. Toute critique dans le système renforce le système. Cela est aussi vrai au plan culturel qu'à celui du politique. Ainsi quand Badmus dit cela. Je tiens à ce que ça reste comme ça. Elle veut garder une culture traditionnelle où la culture n'est pas de s'embrasser sur la bouche lors d'un mariage, mais parce que elle veut garder sa culture. Elle tient à ce que ça reste comme ça. Si par exemple des gens qui sont nés dans une famille qui a immigré du Maghreb, ils commencent quand même à être ok avec le fait de s'embrasser en public parce que bah, c'est dans la culture française, y a pas de problème avec ça. À un moment, ils se baladent dans la rue, ils sont avec leur petite amie et genre ouais, ils ont un moment de passion entre eux. Ils se disent bon bah là, ce serait cool de s'embrasser, ils ont envie de s'embrasser, et bah y a pas de souci avec ça. Et genre elle a un problème de base avec les gens de sa communauté qui ferait ça, parce que du coup ça serait aller en l'encontre des traditions, ça serait presque une trahison. Et donc Ouria est réactionnaire, on a compris l'idée. Sauf que Badmulch, je pense qu'il y a une petite chance, c'est pas sûr, qu'Ouria Boutelja ait lu Édouard Glissant. En revanche, je pense qu'il n'y a absolument aucune chance que toi tu l'aies lu un jour. Mais vraiment, c'est pas possible. C'est inimaginable en réalité. Parce que si tu commences à comprendre, à interpréter le propos dans la littérature dans laquelle il s'inscrit, c'est-à-dire cette littérature, eh bien tu comprends qu'il n'y ait pas là une affirmation réactionnaire, mais qu'il y a là une affirmation de libération. De libération de l'aliénation culturelle, politique, économique des capitalistes, des impérialistes, des colonisateurs, des néocolonisateurs. Il n'est impossible de s'affirmer autrement que comme un contre, dit Glissant. Car refuser de s'affirmer contre ce qui est, et quelle que soit la manière de s'affirmer, c'est céder à l'aliénation, c'est devenir autre, c'est accepter d'être liquidé, blanchi, complètement. Ce qui est en jeu ici, c'est l'aliénation de l'ensemble des sociétés humaines, des communautés humaines. Je ne suis pas en train de porter un jugement moral, j'essaie simplement de rendre compte d'une logique, et de ne pas la réduire à 1, c'est du racisme anti-blanc, et 2, c'est de l'idéologie réactionnaire. Si je me montre charitable, ou plutôt si j'essaie de faire preuve d'un minimum de prudence épistémique
et un petit peu de mise en perspective du discours, j'aurais tendance à dire que finalement, ce que fait Auréa ici, c'est qu'elle ne fait que répéter ce que d'autres ont déjà dit avant elle. Fanon, glissant. Ce n'est pas à moi de juger a priori de la culture des autres. Si j'ai envie, si je juge que certaines pratiques culturelles ne sont pas géniales, pas adéquates, pas progressistes, il me reste toujours le dialogue, il me reste toujours la possibilité de réfléchir, de discuter. Et cette discussion-là n'est pas possible dans un monde régi par le capitalisme et l'impérialisme. Et toutes ces discussions-là qu'il y a à gauche sont de nature, une fois encore, à scinder ces deux clans, des beaufs et des barbares, ou même, sans aller jusque-là, des blancs et des non-blancs. La lutte contre le racisme et celle contre le capitalisme est exactement de même nature. C'est ça l'idée d'Auréa Boutelja. Il y a une consubstantialité entre les deux. Quand nous sommes en train de pigner et de dire que Auréa Boutelja est une raciste anti-blanc, qu'elle est homophobe et qu'elle est réactionnaire, on n'est pas du tout en train de servir la cause. Alors, je ne veux pas jouer à qui est le plus matérialiste, hein. Je ne veux pas jouer au plus pur des matérialistes, c'est-à-dire au plus idéaliste des matérialistes, mais quand même, vous ne pouvez pas juger d'une œuvre qui s'ancre à l'intérieur d'une littérature que vous ignorez. Cela vous fait avoir des idées fausses, vous fait mésinterpréter les propos et les textes, et vous les fait lire sans aucun recul, et, excusez-moi encore, avec une position parfaitement ethnocentrée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'à gauche ça va pas trop rager non plus. C'est juste pour moi un moyen d'entamer une discussion un peu rationnelle, un peu dépassionnée et un peu défaite de sa morale au sujet de ce que propose Auréa Boutelja et de ce que propose la pensée décoloniale en général. J'ajouterai une chose quand même. Si vous lisiez ne serait-ce que quelques pages des Damnés de la Terre de Fanon, je crois que vous n'arriveriez pas au bout. C'est-à-dire que là on a affaire à des gens, ils lisent Fanon, ils sont en PLS. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Noirs veulent nous éliminer, on va pas s'en sortir, on va pas survivre. Le grand remplacement. Je dis pas que ça témoigne d'une certaine naïveté, mais on en est quand même pas très loin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous voulez discuter de la question, n'hésitez pas, je suis totalement ouvert. La bise! Quel type de gars c'était? Je suis l'impressionniste.